Toutes les centrales nucléaires sont dangereuses, surtout quand elles explosent, comme celle de Tchernobyl. Elles libèrent dans l'atmosphère des gaz et des poussières très nocifs pour la santé. Les masses d'air contaminées qui ont atteint la France contenaient une vingtaine d'éléments radioactifs. Césium-137, césium-134, qui sont des métaux. L'iode-131, qui est un gaz. Toutes ces substances radioactives, les gens vont les inhaler et les gens vont ensuite consommer des aliments qui sont contaminés par ces substances qui se sont déposées sur les sols et donc qui ont contaminé la chaîne alimentaire. Donc ça va passer dans le sang très rapidement et donc ça va aller charger des organes différents. Le césium va aller dans les muscles, il y en a d'autres qui vont dans les os comme le plutonium ou le foie. Le cœur, les intestins, la tête, les glandes sont aussi touchées par les radionucléides. Mais l'organe qui est le plus sensible à l'iode-131 est la thyroïde. Le problème pour l'iode, c'est qu'il se fixe au niveau de la thyroïde. Dans les 10 minutes, c'est dans le sang. Et au bout d'un quart d'heure, ça commence à arriver à la thyroïde. Au bout de 6 heures, tout ce que vous avez dans le sang est dans la thyroïde. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner des pastilles d'iode pour saturer la thyroïde, afin que lorsqu'arrivent les produits radioactifs, il n'y a plus de place. Mais si vous les donnez 6 heures après, il n'y a plus de place. Les produits radioactifs, ils sont là. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'époque, certains groupes de population ont subi des doses de radiation, en particulier à la thyroïde, qui dépassaient largement les limites sanitaires. Et c'est pourquoi il aurait fallu prendre des mesures de protection. La France est un des seuls pays pratiquement en Europe à n'avoir pris aucune mesure de protection.